Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV, une émission thématique sur la politique, sur la jeunesse, sur le Covid. Donc j'ai le plaisir d'accueillir un jeune militant politique socialiste, Béranger Perrier, qui appartient au mouvement des jeunes socialistes de Saône-et-Loire. Alors, première question, Béranger, ça existe encore, les socialistes et les jeunes socialistes ? Bonjour, oui, les jeunes socialistes existent encore, et heureusement, puisque dans la situation actuelle, où beaucoup, une grande partie des jeunes sont en difficulté, sont en situation de grande précarité pour une large partie des jeunes et notamment des étudiants. Heureusement qu'il existe des jeunes engagés qui défendent et essayent de porter leur voix dans un contexte, encore une fois, très difficile. Alors, c'est l'entité du Parti Socialiste, vous avez une autonomie, où vous êtes à l'écoute des grands socialistes, on a eu des grands socialistes en Saône-et-Loire, on citera le dernier, Christophe Sirugue, on a eu Arnaud Montebourg, on a eu pas mal... Bon, voilà. Est-ce que vous avez une autonomie? En quoi consiste le fait de partir au mouvement des jeunes socialistes? Alors le MJS, le mouvement des jeunes socialistes, est bien sûr rattaché au Parti socialiste, mais bénéficie d'une autonomie. Donc, c'est-à-dire qu'on a notre liberté de parole, notre liberté d'action, ce qui est important puisque les jeunes ne peuvent pas écouter, obéir au doigt et à l'œil aux grands. Heureusement. Et heureusement, oui, bien sûr. Alors donc vous avez des réunions, vous discutez sur des thèmes et vous faites des propositions aux socialistes de Saône-et-Loire parce que... On parle des jeunes socialistes de Saône-et-Loire. Oui, nous réunissons à distance, mais nous sommes actifs. Nous menons à la fois des actions sur le terrain, donc ça peut être dernièrement des collectes alimentaires ou des collectes de produits hygiéniques. Cela peut prendre aussi la forme de propositions, puisque dans un contexte difficile, on ne peut pas rester inactif et on pense au monde d'après. Alors oui, nous réfléchissons à des propositions que nous essayons de porter le plus haut possible en s'adressant à la fois à nos aînés du Parti Socialiste, aux élus, à la région, au département, et bien sûr en prenant parti via des tribunes, des communiqués de presse comme celui dont il est question aujourd'hui. Alors avant d'arriver au communiqué de presse, est-ce que les aînés socialistes, les grands, les très grands, est-ce qu'ils vous écoutent ou vous êtes uniquement une caution jeune, comme certains ont une caution noire, etc., etc. Ou est-ce que vous êtes écouté ou pas ? On refuserait tout d'abord d'être la caution jeune. Donc on est assez attentif à ce que nos propositions soient un minimum écoutées et reprises. Et on a la chance, en tout cas en Saône-et-Loire, d'être écouté. Les débats existent, puisque on n'est pas tout le temps d'accord, mais au moins les échanges sont construits et on parvient surtout à pousser nos propositions le plus loin possible. Et on espère que dans le cadre des élections départementales et régionales, nos propositions soient reprises, puisque nous travaillons là depuis quelques mois, depuis l'été dernier, à construire des propositions très concrètes de jeunes pour les porter lors des prochaines élections. Alors, le 13 janvier, vous avez lancé un SOS jeune, un communiqué de presse qui a été fait par vous, un SOS pour les jeunes, pour la situation des jeunes dans cette période très particulière qui dure quand même depuis le mois de mars 2020, où bien sûr beaucoup de gens la subissent par le confinement, par le couvre-feu, par la perte de travail, par le télétravail, mais les jeunes, on va parler des jeunes étudiants au départ, mais après on parlera des jeunes, la subissent encore plus. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes étudiants ? Alors, vous avez raison, la situation des jeunes est très critique. Depuis le mois de mars, les jeunes étudiants ont été les grands oubliés du gouvernement. On a une ministre de l'Enseignement supérieur qui est tous abonnés absente. On aimerait bien qu'elle soit un peu plus active et qu'elle défende la cause des jeunes étudiants avec plus de fermeté et d'enthousiasme. La situation, comme vous le disiez, est très difficile dans un contexte sanitaire, économique et social désastreux. Les jeunes étudiants ont connu l'isolement, puisque les universités ont fermé, les cours ont été donnés en distanciel, par visio.
ont connu aussi pour beaucoup la détresse psychologique, puisque lorsqu'on est enfermé chez soi dans un 10 mètres carrés constamment, quand on n'a plus de lien social, eh bien, on a vite fait de tomber dans les... le moral tombe à zéro. Et pour beaucoup d'entre eux, beaucoup d'étudiants ont connu la précarité financière, puisque avec la crise sanitaire, les jobs étudiants ont disparu. Les jobs étudiants, c'est quoi en général ? Souvent, c'est des jobs de serveurs, de plongeurs, enfin, c'est des jobs où on fait quelques heures par-ci par-là, mais qui permettent de payer souvent le loyer et de manger à sa faim. Donc voilà, les jobs étudiants ont disparu, les stages pour beaucoup ont été annulés, les alternances sont beaucoup plus difficiles à trouver. Et tout ça, c'est des sources de revenus pour les jeunes qui ne viennent plus dans leur porte-monnaie. Donc pour beaucoup, la précarité financière est leur lot quotidien. Alors il y a même des jeunes qui sont dans une détresse psychologique tellement forte qu'ils vont plus loin que cette détresse, qui se suicide. On a eu, avant le communiqué, on a eu l'exemple d'un jeune étudiant à Lyon qui s'est défenestré. Oui, un jeune lyonnais a tenté de mettre fin à ses jours. Ce drame n'est pas isolé, malheureusement. Il fait suite à de nombreux autres actes de la part de jeunes. Encore cette semaine, une jeune femme a tenté de mettre fin à ses jours. Il faut bien prendre conscience que ce n'est pas des actes isolés, mais que c'est symptomatique d'une détresse psychologique chez les étudiants. Et on ne peut pas détourner les yeux de cette situation-là. Alors, qu'est-ce que vous demandez à votre ministre qui est aux abonnés absents, et bien sûr au gouvernement et au président de la République? Qu'est-ce que les jeunes étudiants, parce qu'après on parlera des jeunes, qu'est-ce que les jeunes étudiants demandent à leur ministre et à leur président? Alors la première chose, et je pense l'une des plus importantes, c'est de permettre un retour en classe, mais un retour raisonné. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir comme dans les années précédentes où tout le monde est dans les amphis et tout le monde est dans les salles de classe. Mais nous demandons à ce que dans les conditions sanitaires, dans les conditions sanitaires, les jeunes puissent revenir en cours par petits groupes ou par demi-classe. Donc plutôt en TD, plutôt en travaux dirigés. En TD, mais aussi en amphi. Mais cela nécessite des moyens, puisque cela demande de dédoubler les classes. Donc il faut plus de professeurs et plus de temps. Donc on espère que l'enseignement supérieur et que le gouvernement en général mettent les moyens pour régler cette situation. Enfin, deuxièmement, pour ce qui est de la détresse psychologique, nous attendons de voir les recrutements de psychologues supplémentaires annoncés par la ministre au mois de novembre dernier. Aujourd'hui, on compte un psychologue pour 30 000 étudiants. Oui. Ça va. Le chiffre parle de lui-même, ce n'est pas suffisant. Et c'est absolument urgent de les recruter. Alors le gouvernement et Emmanuel Macron a annoncé ces derniers jours un chèque psy. Cela va dans le bon sens, donc on peut s'en réjouir, mais ce n'est pas encore suffisant, puisque dans le même temps, il n'a pas ouvert la porte à des mesures financières supplémentaires, puisque la troisième difficulté à laquelle sont confrontés les jeunes, c'est la précarité financière. Et là, on attend davantage du gouvernement. Alors, Emmanuel Macron, il y a quelques jours, a annoncé pour les étudiants qu'ils auraient droit à des repas dans les sites universitaires à 1 euro. Est-ce que ça va dans le bon sens? Parce que manger pour 1 euro, un repas préparé avec entrée, dessert, etc., est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est assez ou est-ce que vous demandez quelque chose de plus fort? Alors, pour cette situation, il y a deux choses, deux manières de voir les choses. La première serait de voir le verre à moitié plein. Donc, évidemment, cette mesure de repas à 1 euro pour tous les étudiants va dans le bon sens. On ne peut pas cracher dessus, il faut s'en réjouir.
Mais la deuxième manière de voir les choses, c'est quand même le verre à moitié vide. Cela ne répond pas à la situation de précarité financière des jeunes. C'est une mesure qui s'apparente à un pansement. La précarité financière, pour beaucoup, c'est ne pas arriver à payer son loyer, c'est ne pas à manger à sa faim. Donc là, ça y est, ils vont manger à la faim. Mais c'est souvent ne pas aussi pouvoir se... avoir recours à des produits hygiéniques de qualité. Certaines femmes sont en situation de précarité menstruelle, c'est-à-dire qu'elles, entre manger ou se protéger des règles, souvent il y a un choix est fait et on préfère manger. Donc voilà, nous sommes un peu déçus des annonces d'Emmanuel Macron. On aimerait qu'il avance davantage sur des mesures de soutien financier envers les jeunes. Nous proposons notamment d'étendre le RSA au moins de 25 ans. On reviendra après au RSA parce que ça va concerner plus de jeunes. Donc les restaurants universitaires sont ouverts actuellement ou pas ? Oui, dans les prochaines semaines, ils seront ouverts. Oui, pour que les jeunes puissent aller manger un euro. Hein, parce que ce sera deux repas par... actuellement, les jeunes pouvaient bénéficier d'un... les jeunes boursiers pouvaient bénéficier d'un repas à 1 euro. Seulement une fois par jour. Aujourd'hui, avec cette nouvelle mesure, ils pourront, tous les étudiants... Tous les étudiants boursiers ou non boursiers. Voilà, boursiers ou non boursiers pourront bénéficier de repas à 1 euro le midi et le soir. Donc, un progrès, mais pas suffisant. Puis quant à l'aide psychologique, un psychologue pour 30 000 étudiants, on se rend bien compte que ce n'est pas beaucoup. Mais après, il faudra trouver des psychologues. Voilà, c'est ça. C'est que le chèque psy est une bonne mesure. Mais ensuite, est-ce que les étudiants pourront consulter un psychologue sous des délais acceptables? Puisque là est la grande question. S'il faut attendre 4 ou 5 mois avant de consulter, on passe à côté de l'enjeu. Parce que bon, on sait très bien que l'hôpital manque de personnel soignant, mais au niveau psychiatrique ou psychologique, même le mot psychiatrique n'est pas péjoratif, au niveau psychiatrique, psychologique, il y a très peu, il y a de moins en moins de praticiens, de moins en moins de psychiatres, de moins en moins de psychologues. Donc, et la détresse dont vous parlez qui touche les étudiants, on la comprend bien, mais elle touche aussi des adultes qui perdent leur travail, qui sont aussi dans l'isolement. Donc il y a une demande forte d'aide psychologique et devant cette demande, il n'y aura sûrement pas le nombre de psychologues suffisant pour répondre à ça. C'est ça. De toute façon, la psychiatrie a souvent été le parent pauvre de l'hôpital. Donc nous attendons de voir l'effet des mesures. Mais nous attendons quand même davantage de recrutement de psychologues consacrés uniquement aux étudiants. Donc vous avez vous demandez aussi qu'il y ait des tuteurs, des professeurs tuteurs, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce que nous avons constaté que nous constatons et nous craignons que cela en soit davantage un décrochage scolaire massif. C'est que lorsque vous passez des mois derrière votre écran à suivre des cours, parfois 7 ou 8 heures par jour derrière un écran, l'apprentissage n'est pas efficace. L'apprentissage ne se fait pas comme si on était en face à face avec un professeur. Donc beaucoup d'élèves, d'étudiants ont décroché. Certains n'allument même plus leur ordi pour participer. Et face à ça, on ne peut pas les laisser sans rien. Nous demandons à ce que des tuteurs soient recrutés pour justement essayer de rattraper ceux qui peuvent l'être et essayer de les remettre aussi à niveau. Est-ce que ça concerne que les étudiants de première année qui sont fragiles, ce sont des lycéens qui quittent souvent leur ville pour aller dans une capitale régionale comme à Dijon, ici pour nous, donc ils perdent un peu leur repère, ils ont été confinés, ils n'ont pas rencontré des copains dans les cours parce qu'il n'y avait pas de cours. Donc est-ce que ça concerne que les premières années ou est-ce que ça concerne ce décrochage aussi les étudiants de deuxième, de troisième année qui ont déjà eu un passé étudiant ? Alors les premières années doivent être bien sûr un public prioritaire puisque eux
en plus de connaître une première année à l'université très difficile, ont connu une fin de terminale aussi extrêmement compliquée. Ils n'ont pas passé le bac dans les bonnes conditions, ils n'étaient plus en cours depuis mars. Donc ceux-là sont encore plus fragilisés. Donc un effort doit être fait en leur direction, mais pour ce qui est du tutorat, il faut l'élargir à tous les élèves, tous les étudiants qui en auront besoin. Donc cela va de l'étudiant en première année à celui en master. Donc là, c'est un besoin, hein. Votre cri, votre SOS, c'est un SOS fort et qui demande une réponse urgente. Oui, bien sûr, puisque comme disait Albert Camus, l'habitude du désespoir est plus terrible que le désespoir lui-même. Il faut réagir très vite, puisque depuis le mois de mars, les étudiants sont dans une situation d'incertitude folle. On ne peut pas les laisser sans soutien. Il en va de l'avenir aussi de notre pays, puisque la jeunesse d'aujourd'hui sera la population active de demain. Donc nous demandons beaucoup d'efforts et nous espérons aussi que notre cri soit entendu par tous les responsables politiques, quel que soit leur bord. Donc on a parlé des jeunes étudiants, mais bon, la jeunesse, hélas ou pas hélas, je ne sais pas, ce n'est pas que les étudiants, c'est aussi des jeunes qui ont eu un travail, qui l'ont perdu, ou des jeunes qui n'ont pas de travail. Hein, donc, comment ça se passe pour eux? Qu'est-ce que vous voulez pour la jeunesse en général? On a parlé de la jeunesse étudiante, mais pour la jeunesse en général, quelles sont les demandes que propose le mouvement des jeunes socialistes? Alors, vous avez raison, la jeunesse, les jeunes ont des situations très différentes. Hein. Certains s'en sortent très bien et tant mieux pour eux. Mais pour tous les autres, ceux qui sont en études, ceux qui n'ont aucun emploi, ceux qui sont sous les radars en fait, des pouvoirs publics, il nous faut agir et les soutenir. Nous, le mouvement des jeunes socialistes de Saône-et-Loire, proposons d'étendre le RSA. Donc on rappelle ce que c'est que le RSA. Alors le RSA, c'est un minimum social d'environ 530 euros. Donc nous proposons de l'étendre aux moins de 25 ans, puisqu'aujourd'hui, les 18-25 ans sont exclus des minima sociaux, ce qui est quand même une situation très aberrante, puisque à 18 ans, on a la majorité civile, à 18 ans, on a la majorité pénale, mais à 18 ans, on n'a pas la majorité sociale. La France est l'un des derniers pays d'Europe à ne pas avoir abaissé la majorité sociale à 18 ans. Donc nous espérons que cela change très rapidement. Une proposition de loi de sénateur socialiste a d'ailleurs été débattue cette semaine au Sénat, visant à ouvrir le RSA aux moins de 25 ans. Malheureusement, la droite, fidèle à elle-même, a rejeté cette proposition. Et avec quels arguments? Ça coûte trop cher? L'argument qui revient souvent, c'est qu'on ne veut pas amplifier l'assistanat. Comme si donner un minimum à un jeune favoriserait l'assistanat. Qui peut croire qu'un jeune se satisfasse d'un minimum à 18 ans? Personne. C'est un argument de mauvaise foi. Nous croyons vraiment que qu'étendre le RSA au moins de 25 ans est une mesure pertinente, puisqu'il s'agit de leur donner un filet de sécurité. On voit bien que la situation le demande. Lorsqu'on n'a plus rien, comment fait-on pour manger? Comment fait-on pour se loger? Pour vivre. Et pour vivre, tout simplement. Vivre culturellement, vivre socialement. Nous faisons face à un désastre social sans précédent depuis l'après-guerre, certainement. Donc pour lutter contre ça, nous proposons finalement le RSA. C'est un minimum vital qui devrait. Nous sommes face à un choix moral.
si on ose dire, soit on aide les jeunes. Alors tous les jeunes, hein, étudiants ou pas étudiants, tous les jeunes. Tous les jeunes, hein. Je pense que les jeunes doivent être, les jeunes qui en ont besoin doivent pouvoir accéder au RSA. Dans la mesure, dans la situation de crise que nous traversons, les jeunes étudiants devraient pouvoir aussi y bénéficier. Lorsque la situation sera rétablie, reviendra un peu à la normale, les étudiants n'auront peut-être plus vocation à toucher ce minimum, mais la situation, pour l'instant, l'exige. Donc c'est pour ça qu'il est urgent d'agir. Comme je le disais, nous sommes face certainement à un choix moral. Soit nous continuons à détourner le regard et nous risquons de briser le lien intergénérationnel, puisque les jeunes ont quand même consenti à de forts sacrifices pour soutenir les aînés. Ou soit nous ouvrons le RSA et nous faisons vivre le pilier, un des piliers de notre République, qui est la fraternité. Alors bien sûr, ce RSA ne s'arrêtera pas quand le Covid aura peut-être disparu, s'il mesure pour des années. Hein. C'est un pilier pour des années. Oui, hein. Oui, nous voulons tout simplement ouvrir le RSA. Parce que un jeune en difficulté doit pouvoir toucher un minimum vital, un filet de sécurité dès ses 18 ans, quelle que soit sa situation. Bien sûr, nous espérons que ce jeune puisse travailler et vivre par ses propres moyens, mais il faut bien voir la réalité en face. Certains sont en traverse de grandes difficultés. Soit on les laisse au bord de la route, soit on les aide parce que c'est notre devoir. Donc, bien sûr, hein, bon, y a des jeunes qui ont la chance de travailler, donc... Quand il y a du travail, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, il y a des jeunes qui ont la chance d'avoir des parents qui peuvent les aider, hein, peut-être payer leur loyer, les aider aussi à avoir une vie sociale et culturelle. Puis il y a des jeunes qui n'ont pas de parents qui peuvent le faire, et qui n'ont rien, et qui se retrouvent à la rue, hein, ou qui vont au Resto du Cœur. Hein, les Restos du Cœur nous disaient justement que depuis la situation de Covid, il y avait de plus en plus de jeunes qui venaient chercher à manger parce qu'ils n'avaient pas à manger. Oui, c'est très juste et c'est une situation dramatique. Comment peut-on accepter que dans la sixième puissance mondiale, les jeunes doivent aller à la soupe populaire? Il faut vraiment qu'on se pose la question, est-ce que c'est acceptable pour un pays tel que la France? Nous ne le croyons pas. C'est pour ça que nous demandons d'agir urgemment. Un des chiffres qui est très parlant et peut-être qui mettra en lumière davantage la situation de grande précarité, c'est le chiffre de 1,5 million. 1,5 million de jeunes, de moins de 25 ans, sont en situation de pauvreté en France. C'est considérable, sachant qu'il y a aussi 10 millions de pauvres en France. 10 millions. Nous sommes 66 millions. Là, il faut vraiment que l'on se pose les bonnes questions. La crise doit nous interroger sur notre modèle de société, quel monde nous voulons. On ne peut plus laisser des gens, quel que soit leur âge, souffrir et tomber dans la grande précarité. Alors vous qui fréquentez des jeunes étudiants, mais des jeunes aussi, on sait que les jeunes, on se rappelle mai 68, hein, c'est un mouvement de jeunes, les jeunes sont des gens qui, quand ils ne sont pas contents, se révoltent. Là, les jeunes que vous rencontrez, au MJS ou ailleurs dans la vie, dans vos amis, est-ce qu'il y a un sentiment, quel est leur sentiment? C'est un sentiment de révolte ou un sentiment de dire, bah ouais, c'est comme ça, ils se résignent? Non, c'est très partagé. Le sentiment général est souvent l'abandon. L'abandon et le mépris. L'abandon, puisqu'il manque beaucoup de mesures à destination des jeunes. Le plan de relance n'a laissé qu'une petite place aux jeunes dans leur ensemble. Et le mépris, puisque dès que les jeunes osent prendre la parole, on leur fait bien comprendre que ce soit des privilégiés ou qu'ils doivent aller bosser. Ou encore pire, lorsqu'ils osent se retrouver entre copains, c'est eux qui propagent le virus. Et les jeunes se sentent stigmatisés par cette idée que ce sont des propagateurs du virus ou pas? Ben, oui, puisque ce n'est pas forcément la réalité. Le virus circule par d'autres moyens. Certainement que des contaminations se font entre pairs, mais
mais cibler les jeunes comme les uniques vecteurs du virus, est faux et est complètement disproportionné. Alors, bon, on parle des jeunes. Bon, pour la Saint-Sylvestre, il y a eu cette fameuse rêve partie qui a duré 3 nuits, hein, avec 2500 participants. Bon, les barrières sanitaires, les masques, tout ça, ça n'a duré... ça n'a duré, à mon avis, que très peu de temps. Quel est votre regard, vous, en tant que jeune ou en tant qu'animateur fédéral du mouvement Jeunes Solidaires, quel est votre regard sur ce qui s'est passé la Saint-Sylvestre pour ce fameux réveillon de 2500 personnes? Alors, tout d'abord, je pense que c'est un acte isolé. C'était une rave party qui s'est déroulée en Bretagne, qui a concerné quelques milliers de jeunes, alors que dans leur ensemble, les jeunes ont bien respecté les consignes sanitaires. Ils ont fait le réveillon, mais dans des conditions minimales. Ils se sont réunis à une petite dizaine, 6, c'était la jauge, il me semble, oui, autorisée. Donc je trouve que les jeunes ont bien respecté. Pour ce qui concerne la rave party, c'est des actes, à mon avis, irresponsables dans la situation. On fait tous des sacrifices. Est-ce qu'il était nécessaire de faire une grande fête, une très grande fête pour le réveillon? Je ne pense pas. Tout le monde pouvait faire quelque chose dans des conditions dans des conditions contraintes, mais tout le monde s'est adapté. Ne pas respecter ces consignes était un peu irresponsable. Et les jeunes que vous côtoyez, dans le milieu étudiant ou dans la vie courante, est-ce qu'ils respectent les consignes de protection sanitaire, le masque? Est-ce qu'ils sont conscients de tout ça ou ils disent « Oh, c'est, nous, on est jeunes, on risque pas d'être malades ». Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la jeunesse du problème du Covid et des précautions qu'il faut prendre? Ah oui, bien sûr. La prise de conscience est telle que nous subissons les conséquences de la crise de plein fouet. Donc forcément, nous sommes bien conscients de l'ampleur de la situation. Le port du masque est respecté, comme dans l'ensemble de la population, mis à part quelques cas, encore une fois, isolés. Je pense que les jeunes ont accepté les contraintes, notamment pour protéger les grands-pères, les grands-mères et le reste de la population. Alors, tout à l'heure, je vais vous poser une question. Je vous dis, est-ce que les jeunes, après, quand la situation va s'améliorer, espérons qu'elle va s'améliorer rapidement, mais rien n'est moins sûr, hein, on parle maintenant du mois de septembre, où le vaccin aura été donné, etc. Est-ce que les jeunes que vous côtoyez, étudiants ou pas étudiants, les jeunes socialistes, est-ce que vous êtes prêts à vous révolter, c'est-à-dire à manifester, pour dire que vous n'êtes pas entendu, ou est-ce que vous êtes dans une situation, oui, bon, bah, c'est comme ça, quel est votre sentiment? Il y a un sentiment de rejet avec envie de se battre, ou est-ce qu'il y a un sentiment de lassitude, bon, de désespoir, hein, que le temps entretient? Non, il y a une volonté d'être entendu. Mercredi dernier, une manifestation a eu lieu, notamment à Paris, d'étudiants, pour faire entendre leur voix. Elle n'a pas été suffisamment entendue au vu des annonces du gouvernement, mais il y a une volonté, on va dire, commune de faire entendre une voix et de donner de nouvelles perspectives à la jeunesse. Donc je pense et je crois que la jeunesse sera l'un des enjeux des prochaines années, et notamment certaines de la présidentielle de l'année prochaine. De 2022. Donc en mars 2022, donc ouais. C'est vrai que ça va aller très vite. C'est ça, et pour être complet sur ce point-là, nous attendons que les candidats, déclarés, pas déclarés, aient un discours fort sur la jeunesse. On ne pourra pas se contenter de dire que la jeunesse a été résiliente, comme Emmanuel Macron se plaît à le dire, ou que avoir 20 ans en 2020 est dur. On ne peut plus se contenter de mots, il nous faut maintenant des actes et des propositions très fortes.
Merci Béranger. Donc on voit qu'on a, un jeune, une partie de la jeunesse qui continue à se battre, qui a des idées pour progresser. Est-ce que c'est une minorité ou est-ce que ça serait un jour une majorité pour prendre leur avenir et l'avenir de notre pays, puisque la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Donc merci. Puis on va suivre un petit peu ce mouvement des étudiants, mais c'est aussi ce mouvement des lycéens. On n'en a pas parlé, mais ils sont aussi dans des situations... Bon, ils sont chez leurs parents en général, donc oui, c'est moins problématique. Mais aussi puis la situation de tous ces jeunes qui vont arriver sur un marché du travail où il n'y aura pas de boulot, donc pas de salaire. Donc le RSA sera sûrement nécessaire pour pas qu'ils tombent dans la misère, qu'on ne les retrouve pas SDF, ce qui serait quand même terrible pour un pays comme la France, d'avoir une jeunesse dans la rue, mais dans la rue par terre, couchée dans le froid. Merci Béranger. Merci à vous. À bientôt pour une prochaine émission sur un autre sujet d'actualité ou de non-actualité. Merci.